Yahoo Dimancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo où je réponds à vos questions. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa. Honnêtement aussi, il fallait que je comble une semaine. Et moi, je vous avais donc proposé, je crois que c'était en août, de me poser des questions où j'ai répondu début septembre ou fin août. Et là, j'ai reproposé il y a 2 semaines de me reposer des questions parce que la première vidéo où je répondais à vos questions hentai, là, la dernière de cette année, vous avez énormément plu par rapport à mon honnêteté et ma transparence, par exemple, par rapport à certains collègues youtubeurs, manga, etc. Ça vous a énormément plu que je sois totalement transparent et c'est dans ma nature. Donc, je pense que ça va vous plaire. Donc là, par contre, j'ai pas eu beaucoup de questions, mais je me suis dit que ça permettait aussi de pouvoir développer plus que de me dire « Oh là là, il faut que je fasse assez vite parce que bon, 30 minutes de FAQ, c'est trop long. » Donc voilà, donc je vais répondre à toutes les questions que j'ai eues et on a eu beaucoup de la même personne. Donc déjà, tes futures reviews anime hentai, ce sera centré sur des adaptations de manga hentai ou ce sera un peu de tout? Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Alors, si, je sais que ça peut être intéressant de comparer le manga à l'animé, ça ne me dérange pas. Si je sais où les trouver, les titres qui sont disponibles en manga en France, ça ne me dérange pas du tout de les retester en animé, ça me fera une piqûre de rappel aussi au niveau de la série, etc. Après, pour ce qui est donc autre, oui, j'ai déjà présenté des animés en DVD. Et donc, j'ai juste présenté cela parce que c'était plus facile pour moi. J'avais le DVD, c'était plus simple, etc. Troisièmement, il faut savoir que je sais, à chaque fois je le dis dans mes vidéos, je ne sais pas où chercher, sur quel site il faut regarder les animés hentai. Mais Amodé me donne la réponse et je suis tellement con que je le note pas. Voilà, je me déteste là-dessus. Croyez-moi, je peux plus me supporter sur ce détail-là. À chaque fois, je passe mon temps à vous dire en vidéo, je ne sais pas sur quel site regarder les animés. Je ne sais pas où trouver les animés qui sont déjà disponibles en France en papier pour les retrouver en animé. Le manga papier, le retrouver la même version en animé. Je passe mon temps aussi à dire, oui, je me déteste là, vraiment, j'ai envie de me gifler, je te jure. À vous dire aussi, je ne sais pas sur quel site lire les scans trad hentai qui ne sont pas disponibles en France, je précise. Des hentai que, on n'a pas en France. Il y en a qui me le mettent en commentaire sous des putains de vidéos et je note rien. Donc, sous cette vidéo, lâchez-vous. Ou lire des hentai en format papier, du coup en numérique, sur quel site, qui ne sont pas licenciés en France, parce que je ne lirai pas ceux qui sont licenciés en France, vu que j'achète le papier. Deuxièmement, ou regardez des animés. Et ou regarder des animés en troisième point qui sont disponibles du coup en version papier et donc voir la version animée. Voilà. Bref, je me déteste. Hein. Crois-moi, je me déteste là-dessus. Je suis une catastrophe. C'est comme les adresses de mes amis. À chaque fois, je leur demande, tu peux m'envoyer ton adresse, s'il te plaît, pour que je t'envoie ton cadeau d'anniversaire. Il y a des copains, c'est en avril leur anniversaire. J'ai une copine, c'est en avril son anniversaire. En décembre, à chaque fois, je lui demande son adresse pour le cadeau de Noël. En avril, je lui redemande son adresse. Si je suis juste une capture d'écran, je fais le colis, j'écris l'adresse, je supprime la capture d'écran. Voilà. Bref. Donc, deuxième question. Lis-tu sur internet des hentai autres que l'on trouve en France via des scantrad en VF, en anglais? Alors déjà mon chéri, je pense que c'est un garçon, mon chéri, à savoir que je ne sais pas lire l'anglais, je suis une catastrophe en anglais, même maternelle me dépasse. Oui. Je te jure, à part quelques mots, éventuellement quand j'entends de l'anglais vocalement, j'arrive plus ou moins à comprendre certaines choses, mais alors le lire... Non, merci. Je ne sais pas faire. Bref, du coup, est-ce que j'en lis? Non. Est-ce que... lis-tu? Non. Est-ce que j'en lis donc en français? Non. Et est-ce en anglais? Non plus. Oui, y a-t-il matière à faire des vidéos découvertes? Ça m'intéresserait de faire ça. Ça permettrait de changer, de renouveler, de ne pas faire que la présentation de hentai en format papier. Mais je ne sais pas où les trouver. Une fois de plus, je le redis. Deuxièmement, à savoir si j'aimerais bien trouver en fait des hentai où c'est une seule et unique histoire. Et faire comme je fais par exemple pour les mangas sur mon autre chaîne. Tu vois, ça s'appelle un extrait.
j'aimerais bien, en fait, ce que j'appelle un extrait, moi, c'est souvent les 50 premières pages. J'aimerais bien faire aussi, par exemple, des extraits manga, j'achète ou pas. Enfin, là, extrait manga, je continue ou pas, tu vois, etc. Enfin, voilà, je voudrais... Ah, ça m'énerve, j'ai tout le temps mal aux jambes. J'aimerais me renouveler au niveau du hentai, mais... Voilà. Vous pouvez me frapper si vous avez envie, parce que là, clairement, même moi, j'ai envie de me frapper en faisant cette vidéo. Voilà. Bref, on continue. Alors, et dernière question. Des épisodes preview sont-ils envisageables? Tes collaborations te permettent-elles d'avoir des informations sur les titres à venir? Genre, titre, auteur, synopsis, genre, les 20 titres qui sortent pour ce trimestre. Alors, il faut savoir déjà qu'au niveau des hentai, il y a 3 maisons d'édition actuellement de disponibles en France. Hot Manga, Taifu, enfin Nihoniba, et Dynamite, qui est la dernière petite maison d'édition. Sur ces 3 maisons d'édition, je ne suis en collab qu'avec Hot Manga. Taifu, donc Nihoniba, c'est en projet, c'est en attente de validation de la maison d'édition. Et Dynamite, je ne sais même pas où les contacter pour éventuellement leur proposer d'être en collab avec moi. Voilà. Pour ce qui est de Hot Manga, il faut savoir que, limite, des fois, vous avez plus d'informations que moi en vivant sur Twitter. Mais moi, je ne vais jamais sur Twitter. Parce que même si j'ai un compte Twitter, je me connecte, je fais écrire un tweet, je copie-colle le lien, enfin, je mets mon image de ma miniature, je mets le lien copier-coller de la vidéo, je mets un petit texte pour pas mettre copier-coller le titre de la vidéo exactement, publier, je me casse. Donc, des fois, sur, par exemple, pour Hot Manga, vous avez eu plus d'informations que moi à vivre sur Twitter. Et éventuellement, c'est arrivé, mais je suis en collab avec Hot Manga depuis été 2019. Et c'est arrivé 2 ou 3 fois seulement où ils m'ont envoyé un mail par titre. Et donc, ils me disaient, par exemple, ils m'annonçaient les sorties de septembre. Par exemple, ou de la dernière fois, c'était pour les sorties qu'ils devaient avoir cet été, je crois. Et voilà, j'ai donc vite fait. Mais un, je ne sais jamais si j'ai droit ou pas d'en parler, de faire une vidéo, voilà les annonces que Hot Manga, voilà. Parce que je ne sais pas du tout si ça a été fait du coup sur Twitter, etc. Deuxièmement, c'est pas tout le temps. Troisièmement, je ne suis même pas au courant moi-même en tant que personne en collab avec eux quand il y a les dates sont repoussées. C'est-à-dire que je me rends compte tout seul, le jour même, souvent, comme vous, peut-être, que tel titre est repoussé, etc. Parce qu'il devait avoir des hentai, si je dis pas de bêtises, qui devait sortir en août. En tout cas, après, il devait sortir en septembre. On ne les a toujours pas eus, et le jour où je filme, on est le 4 octobre. Et je ne sais pas du tout s'ils sortent en octobre, ni quand. Et je le saurai seulement si je vais, par exemple, sur Manga Collette, sur Manga News, sur Notijon, pour voir les dates de sortie et qu'est-ce qu'il y a qui sort dans le mois. Voilà. Donc, j'aimerais bien. Mais ce n'est pas faisable. Et pour ce qui est de est-ce que j'ai droit de balancer ou pas les informations des titres, etc. Je ne sais pas. Donc, il faut que je me renseigne ça, d'accord. Mais, c'est pas à chaque fois, en fait, que j'ai des informations. Donc, voilà. Des fois, j'ai moins d'informations éventuellement que vous. Parce que vous suivez plus les choses qui se passent. Et vous êtes sur Twitter. Et moi, je ne suis pas sur Twitter, je déteste ce réseau social. Je n'y arrive pas à accrocher. Si je vois que j'ai des messages, hein, bien sûr, à chaque fois que je me connecte pour mettre mes vidéos de façon de Ibi Otaku tout court, je regarde si j'ai eu des messages, etc. Mais sinon, je me casse aussitôt. Je ne regarde même pas l'étude des autres personnes. Je suis des gens, mais tu ne sais même pas en fait à quoi ça sert. Je les suis sur Twitter parce qu'en fait, je ne regarde même pas ce qu'ils mettent. Donc voilà. Ensuite, on a donc 2 questions à peu près, ouais, 3. 1. On est gâté pour les FAQ, d'accord. Quelle a été ta première réaction à la lecture de ton premier hentai? Alors, il faut savoir que mon premier hentai, entre parenthèses, c'était du coup Step Up of Story. Donc, en fait, c'était comme dit Josei, un petit peu plus poussé. Ça m'a rien fait. Par contre, mon premier vrai hentai, c'était un truc de Taifu, donc à l'époque où ça s'appelait Sans Interdit, je crois. Bah, en fait, c'était du hétéro et c'était surtout du... alors, à mon avis, j'ai lu du hentai yaoi avant
le hentai hétéro. Mais en hentai hétéro, en fait, c'était un standard assez simple. Il n'y avait pas d'objets, il n'y avait pas de trucs bizarres, il n'y avait même pas de trucs à trois, il me semble. Donc, qu'est-ce que tu veux que je sois surpris, en fait, parce que déjà, je suis tombée sur des hentai qui était soi-disant 16+, ça j'avais fait une vidéo dessus sur l'autre chaîne, donc sur mon autre chaîne manga, où j'expliquais que en fait on nous mentait sur le 16+ au niveau des yaoi, et donc j'avais déjà vu des choses sur des yaoi, et donc bah, quand tu tombes sur un truc standard, ça va? Si j'étais tombée sur jeu érotique, par exemple, j'aurais peut-être pas recommencé, tu vois. Mais je suis tombée sur un hentai standard, classe, cool. C'est basé crème. Puis j'avais lu beaucoup de mangas, donc Ichi 16+, un peu comme Step Up Story, où t'avais juste des scènes un peu censurées, et j'avais lu pas mal tous les héros quasiment de Soleil à la même époque. Donc en fait, ça m'a pas tant surpris que ça. Je suis pas tombée directement sur un truc hyper hard, où je suis pas passée du shoujo tout mielleux au hentai sans passer par le josei. Donc, y a pas eu de réaction spéciale. As-tu des conseils de titres sur le thème changement de sexe comme TSF Monogatari? Ben dans la vidéo TSF Monogatari, je te conseille un autre titre, quelque chose My Woman Body, qui est de Hot Manga. Et justement, c'est sur le changement de sexe. C'est un gars qui prend une pilule, enfin un médicament au départ. Le copain lui dit que c'est même pas ça, il lui dit que c'est juste une petite pilule pour avoir plus d'effet ou quoi, quand enfin ressentir plus de choses ou être plus performant au lit, et en fait il devient une fille. Voilà, mais à part ces deux titres-là, il n'y en a pas eu d'autres. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo, parce qu'il est hors de question, enfin je pense pas, que je te refasse une vidéo ouverture de la page. Si tu as des questions, pose-les ici. Voilà. Parce que je me dis que de toute façon, voilà, si tu as des questions, c'est plus sous une vidéo où je réponds à vos questions que tu peux éventuellement me poser une question, plutôt qu'une vidéo où je te propose de me poser des questions. Et toujours est-il, si j'ai vos questions, je ferai une autre vidéo assez rapidement, genre en novembre. Si j'ai pas beaucoup de questions, et que voilà, parce que j'ai quand même répondu à pas mal de questions, je garde ça pour décembre. Ou novembre, ce sera vraiment, la vidéo sortira vraiment pour boucher un trou, pour boucher une semaine. Oui, boucher un trou, je dis sur une chaîne de hentai, c'était pas vraiment une bonne idée. Mais en tout cas, j'essaierai de poster ça en fait juste pour combler une semaine qui serait vide sinon sans poste, etc. Donc pareil, cette semaine, tu as ça pour éviter qu'il n'y ait pas de vidéo. Alors dans ma tête là actuellement, octobre, j'essaye de faire ça en mode mort, à part la vidéo sur le manga Onsen. Et encore, je ne sais même pas si je vais pas le garder pour novembre. Et après, j'aimerais vraiment, tu vois, faire un vide, qu'il n'y ait rien pendant 2-3 semaines, tu vois, genre tout le mois d'octobre, et revenir en novembre avec du contenu, avec du coup la fameuse vidéo sur Manga Onsen. Et vu que vous aurez sûrement répondu d'ici là en commentaire à sur quel site regarder des scans, à sur quel site regarder des animés, à sur quel site regarder des animés qui sont disponibles en manga, peut-être que je pourrais vous faire une vidéo. Et sachant que j'ai aussi un animé à regarder, donc voilà. Donc il faut que je me bouge les fesses, oui, c'est ça. Surtout que j'ai presque tout le mois d'octobre pour l'autre chaîne manga pour la collection Halloween qui sont faites. Donc je peux avoir du temps là pour le mois d'octobre pour bosser à fond et revenir avec du contenu. Bref, je me suis un petit peu égarée, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, on like, on commente ou on partage. On n'oublie pas de s'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. S'il vous plaît, on est bientôt aux 1000, ça me ferait extrêmement plaisir qu'on les atteigne. Et donc, je t'invite à t'abonner aux réseaux sociaux. Compte Vinted pour les mangas, compte Vinted pour tout ce qui est hors manga, c'est avec un petit 2 à la fin. Et dans la barre d'infos, le compte Utip si tu veux participer au Otaku France Tour. Tu as plus d'informations aussi dans la barre d'infos, mes réseaux sociaux, etc. Et des codes promo aussi. Sur ce, à bientôt!